Et c'est ainsi que furent construites les premières cariatides. Pour ceux qui veulent rester travailler pendant la récréation, je leur laisse mon ordinateur à disposition. Les autres, vous pouvez sortir, mais sans faire de bruit, s'il vous plaît. On peut pas le faire plus tard, là, j'ai la flemme. Bah non, faut le faire maintenant. C'est à rendre pour la fin de la semaine. Bon, on commence quand? Regardez, il y a un reportage sur un clincher. Eh, hey, mais c'est pas Gancourt TV! Vas-y, lance. This is Sky Movies Plus. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans un tout nouveau journal de Gancourt TV. Je suis accompagnée de Maxime Deremez et sans plus tarder, le sommet. Merci Roman. Une découverte historique. Trois sarcophages ont été retrouvés sous l'église Saint-Victor. Nori Chamoy, notre envoyé spécial, nous en dira plus dans quelques instants. Faits divers. D'étranges disparitions ont eu lieu ces derniers jours. Quelques témoins parleraient d'un clown killer. Un petit point sur l'enquête en cours. La minute des sœurs pareille. Malice et Maeva, comme chaque jour, dans leur billet d'humeur. Et sans plus attendre, nous retrouvons notre envoyé spécial, Régis Clown, en direct de la médiathèque, alors que se tient du 14 octobre au 6 décembre une exposition des mondes merveilleux. Regardez-en. Oui, tout à fait, Maxime. Cette exposition regroupe le travail de 20 artistes aux univers variés. Avec moi, Madame Le Tarnec, adjointe au maire de Guyancourt. Cette exposition est un voyage là où le spectateur se retrouve personnage principal. Comment les jeunes peuvent-ils accéder à la culture? Alors à Guyancourt, il y a plusieurs équipements qui permettent effectivement d'avoir accès à la culture. Tu as la médiathèque qui est derrière nous, qui a un accès gratuit à l'ensemble des livres. Tu as aussi l'équipement, la ferme de Béléba, qui est un théâtre, avec des prix qui sont aussi attractifs. Et la ville de Guyancourt offre un spectacle gratuit à tous les enfants qui sont scolarisés dans une école de la ville. Tu as la batterie, qui est une école, un équipement musical, où les jeunes, vous avez la possibilité aussi, il y a des tarifs très attractifs. Mais tu peux aussi découvrir la culture quand tu te balades dans ta ville, dans ton quartier, en étant acteur de ta ville, en regardant un petit peu autour de toi. C'est des activités qui se passent aussi sur les points jeunes, dans les maisons de quartier. Tout ça donne la possibilité à vous, tous les jeunes, d'avoir un accès large à la culture. Merci Madame Tarnec et j'espère que ça vous a plu. Merci Brigui, très intéressant. Maintenant les faits divers. Maëlys Maeva, vous vous situez dans le quartier de Villeroi, je crois, près des statues des cariatides? Bonjour Roman, tout à fait, nous nous trouvons en face des statues des cariatides. Je suis surprise parce que ici, tout est pareil. Effectivement, ici tout est pareil puisque nous sommes les sœurs pareilles. Bah moi je trouve que nous ne nous ressemblons pas. Oh tiens, elles se sont encore trompées. Effectivement, nous ne nous ressemblons pas puisque j'ai les cheveux longs. Hein? Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Oh et puis zut, je me barre. Oh, puis zut, moi si je me barre, hein? Oh, bah ça marche plus. Et maintenant, un retour en arrière de plus de 1500 ans à l'époque du roi Mérovée, ancêtre de Clovis. Oui, en effet, Maxime, trois sarcophages datant de l'époque mérovingienne ont été découverts sous la nef de l'église Saint-Victor à Guyancourt. D'après les archéologues, il pourrait s'agir des dépouilles de la famille royale qui a régné sur Guyancourt, mais il est plus probable que ce soit le corps de Guy de Chevreuse, premier seigneur et fondateur de la ville. Le squelette a été envoyé au laboratoire pour des analyses. Nous en saurons plus dans les prochains jours.
arriver là. Ah non, non, vous ne faites pas encore flipper, non, non. Mais non! Mais qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, on a fini d'exposer. Au revoir.